Good morning, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, François Fajim Ben Khana, Janine Rudba, porte de Massal Fridna, Claude Chambon Ben Shalom et Ishaya Ben Ninda. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Massechet Pea, Perek Vav, Mishnah Hei. Shne Omarim Shechecha ou Shlosha Enan Shechecha. Shne Tzibur Ezetim Vecharuvin. Shechecha ou Shlosha Enan Shechecha. Shne Hutzne Pishnan. Shechecha ushlosha einan shechecha. Shne gargirim peret ushlosha einan peret. Shne shibolim leket ushlosha einan leket. Elu kedivrei bet hilel ve'al kulan bet shamay yomrim shlosha la'aniim ve'arba'a le'ba'al ha'bayit. On a une Mishnah très simple. On a plusieurs dons qu'il faut laisser. Pour rappel, on va entrer encore plus dans les détails maintenant dans le projet de Mishnayot. Ça va être défini chaque chose. Qu'est-ce qu'on appelle les quêtes? Qu'est-ce qu'on appelle Shichecha? Qu'est-ce qu'on appelle Shichechata Omer et Shichecha Kama? D'accord? On a déjà évoqué quand même des notions. Là, ça va être beaucoup plus défini maintenant. À savoir, lorsque je ramasse, lorsque je cueille mon blé, je laisse des épis plantés. Je laisse un, deux. Alors le principe d'abord, je dis tout de suite, on a dans plein de domaines, on va avoir, ça va concerner lorsque je cueille le blé, lorsque je ramasse mon blé, lorsque je ramasse mes olives, ou bien mes caroubiers, ou bien, ouais, je ramasse, je réunis les choses en tas, et après lorsque je ramasse tout pour partir, j'en laisse un ou deux, ça s'appelle la shichecha. Mais si j'en ai laissé trois, c'est pas de la shichecha, parce que là, cette fois-ci, la Torah a insisté, elle a dit, lorsque tu ramasses toi ta récolte et que tu en laisses un, tu en laisses deux, alors, ne viens pas la chercher, laisse-le pour le pauvre. Lorsque tu envoies une quantité très conséquente, alors là, non, tu reviens le chercher, tu as le droit de revenir le chercher. C'est quoi une quantité conséquente? Alors, dans notre Mishnah, on va s'intéresser à savoir à la quantité de gerbes que tu as laissées. Dans la Mishnah prochaine, on va trouver de quoi on va parler maintenant. Ensuite, d'un volume important que tu as laissé. On découvrira ensuite plus. Pour le moment, notre Mishnah, donc elle me dit, si tu en laisses un ou deux, c'est de la shirra, c'est de Dieu d'un pasuk l'ani, ve la guerre tazovotam, c'est ce nom d'après Beth Hillel, évoqué deux termes, et selon Beth Shammai, alors ils ont un autre pasuk, que je crois qu'il parle plutôt du maser ani, mais en tout cas, il apprend là-bas, qui est marqué la guerre, la yatom ve l'almana, ça fait trois termes. Alors maintenant, vous avez compris tout le principe, d'accord? Donc là, Michel va me prendre tous les différents exemples. On commence avec les gerbes de blé que tu as laissées par terre. Shne Omarim, Shechecha, ou Shoshalam, Shechecha. Tu as laissé deux gerbes. C'est de la Shechecha. Trois, c'est pas une Shechecha. De même, lorsque tu ramasses tes olives ou ton caroube, eh bien, Shne Tzibouré, Shne de petits tas. Tu en fais des petits tas, puis on ramasse tout. De zétine d'olive, ou bien de caroubine, de caroubier. Shichecha, ça un oubli, tu les laisses. Mishit, shalosha, enan shichecha. De même aussi, lorsque tu cueilles ton lin, shnehutzne pishtan. Le pishtan, apparemment, il est en tige plus longue. Et tu le regroupes en groupe qui s'appelle des hutzne pishtan. Donc deux, de nouveau, c'est shichecha, shalosha, enan shichecha. Là, on va maintenant parler de gargirim. On apprendra ça plus dans les détails. Lorsque tu cueilles ta vigne, il y a des grains que tu laisses, donc tu as des grains aussi que tu laisses qui sont un peu des solitaires comme ça. Alors deux, Shnegargirim, Peret, ça s'appelle Peret, ça s'appelle plus Shichecha. On apprendra ça plus dans les détails exactement. En tout cas, deux, c'est Peret, ou Shlosha en Peret. Idem encore avec lorsque tu cueilles ton blé, cette fois-ci c'est la Shichecha à Kama. Lorsque tu cueilles tes épis de blé, shne shibolin leket ou shlosha enan leket. Si tu en laisses deux épis plantés, c'est leket. Trois, tu reviens les chercher. Elo kediv bet hilel. Tout ce qu'on a dit, c'est comme bet hilel, vel kulan, et pour tous les cas de figure, bet shamayim. Mais shamayim me disent non, shlosha la anim. Trois, c'est pour les pauvres, les arba'al et balavait. Et toi, le propriétaire, tu vas revenir à chercher que si on avait 4 et pas 3, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.